la marmite excellente, c'est parti. Pour le buteur anglais, c'est parti. Il y a la distance, il y a la précision. Et Toulon prend 8 points d'avance. C'est donné pour des jeux tragiques, retrouve maintenant au intérieur, Bastaro pour Anne, la méthode est magnifiquement jouée. Et le premier essai du match, dès le quart d'heure de jeu, est planté entre les poteaux qui vous plaît par Dylan Armitage. Les Toulonnais avaient remis la main sur le ballon, ils finissent par le déposer. Encore Damien Traille qui pousse au pied, couverture assurée. C'est couvert par Adolf Lerbitage, la pression à la pointe de l'attaque. Avec peut-être un jeu au pied dans la profondeur, c'est bien fait. Oh, les purs sont lâchés, à moins que la CBS rentre. Tissoma qui va passer. Tissoma, le rebond peut-être favorable. Tissoma, Lerbitage, oh, ils sont là. Ils sont là, les Toulonnais. Oui, Lerbitage s'est envolé. Il a bien couvert, il a relancé, il a conclu. Ça fait mal à la section paloise, cet essai de contre. Lerbitage qui fait un très bon match à l'initiative et à la conclusion de cette contre-attaque de 80 mètres. Alors le paradoxe, c'est il faut aller jouer dans le cœur de Toulouse, dit Pierre Vignoli, Orioli, ça va volant avec Armitage. Il a Armitage qui est repliqué à l'intérieur, qui échappe au placage de Louzen. Il va filer vers l'essai, il a marqué celui de la finale de H2 et il marque.